Alors, on a un monsieur qui s'appelle Codd aux États-Unis, qui est le professeur, qui lui a décidé il y a 30 ans comment on allait gérer de l'information, qu'on allait mettre ça dans les colonnes des rangées. Et il n'y a pas personne qui a remis ça en question, nulle part, la façon de gérer l'information. Alors nous, on quitte cet univers de façon totale, et on quitte non seulement l'univers des bases de tout ce qu'on connaît depuis 30 ans, mais toute l'information actuellement, au niveau des systèmes est ancienne. Quels que soient les systèmes, quels que soient les gouvernements, quels que soient les entreprises, on utilise différents facteurs. Vous avez vos bases de données relationnelles, vous avez des CRM, des emails, des SAP, des TI, vous avez du ERP, je suis persuadé, vous savez, toutes ces choses-là. Et la grande complexité, la raison pour laquelle que dans les statistiques, c'est pas Bert McGraw qui vous dit ça, pourquoi que sur la planète, il y a 30% des projets IT qui sont abandonnés? Pourquoi 70% des projets dépassent les budgets et dépassent les échéanciers? C'est la grande problématique de l'informatique depuis les 30 dernières années, les limitations de ces silos. Lorsqu'on parle de colonnes de rangées, je vais faire juste une parenthèse que j'ouvre et je ferme. C'est mon plus grand défi de vulgarisation en 30 ans dans le monde des affaires. Alors, c'est pour ça que je vous invite à m'accompagner, arrêter, parce qu'on va tomber dans un autre chaîne de pensée. Toutes les bases de données sont vraiment cadenassées. Toutes les bases de données, vous écoutez présentement, ont des colonnes, des rangées, des noms de tables, et sont limitées. Les programmeurs, il y a des gens ici que j'entends qui sont dans le domaine de l'informatique, c'est notre univers. Ce qu'on vous invite, ce qu'on présente aujourd'hui, l'exceptionnel, le monde n'est pas en deux dimensions. C'est un monde multidimensionnel. Et l'information multidimensionnelle au lieu des tables. C'est quoi la source du problème des tables de données, des bases de données relationnelles? C'est le côté limitation. Qu'est-ce qu'on vous apporte? C'est un nouveau système. Totalement innovateur. C'est un système essentiellement de gestion de l'information. C'est un système d'entreposage et de gestion d'information multidimensionnelle et ça permet d'intégrer, d'associer toutes les informations qui proviennent de toutes sources existantes. Ça permet d'entreposer l'information de façon sécuritaire et très intelligente. Et voilà. On parle d'un concept de théorie et vous écoutez. Vous entendez ce que je dis, vous l'enregistrez dans votre cellule, vous comparez, vous délitez, et c'est ça un système de gestion associative de l'information. Il n'y a plus de colonnes, il n'y a plus de rangées, il n'y a plus de limitations. C'est un système de cellules, et c'est comme le cerveau, et ça a été l'idée originale il y a 8 ans par les gens de recherche et développement. Les données, c'est quoi, essentiellement? Vous avez les données, vous savez, qu'est-ce que ça vous dit, PM764? Ça ne vous dit rien. 60 SN, Fabien Rousseau. Alors, là, si on fait la transformation de la donnée en information, John Smith, 814, Main Street. Si on transforme l'information maintenant en connaissance, et c'est ça qui est intéressant, on dit qu'on est dans l'ère du savoir. Alors, John Smith, qui était numéro 1, mais Fabien est entré dans l'édifice à telle heure et a eu. C'est toutes des données, c'est toute de l'information. Alors, si on parle de l'exemple de modèle de base de données relationnelles, parce que c'est ce qui est le plus courant, le plus populaire, c'est que toutes les bases de données relationnelles sont faites comme je viens de vous les décrire. Donc, nous, ce qu'on propose, et lorsque j'emploie le mot « nouveau paradigme », lorsque j'emploie le mot « révolutionnaire », c'est une architecture basée sur l'association de concepts. C'est un modèle inspiré du fonctionnement neuronal et le Namespace Data Structure and Data Tape Independent. En anglais, ce que ça veut dire, et je n'ai pas trouvé en français base de données relationnelle gratuite, là, ça ne dit pas, c'est Database Free. Alors, les gens qui connaissent c'est quoi les entrepôts de données, c'est quoi du Data Warehouse, c'est quoi du Data Mining, nous, et c'est là le paradoxe, et on va vous le démontrer, on n'a pas de base de données. We're database free. On a les multidimensions. Si on regarde le modèle associatif de la gestion de l'information, les données sont représentées par des cellules. Et toutes les relations, en fait, quand je parle de relations,
sont établis par des vecteurs. Alors ici, si on parle de personne, le customer, visit on, chaque pièce d'information est dans son univers. Une date, une quantité, un product, une catégorie, un prix, etc. Et ça, c'est ça le changement. Normalement, ces informations-là seraient dans un champ avec un nombre de tables limité et on a des centaines, des milliers, pour ne pas dire des millions de programmeurs qui se codent tous les jours pour bâtir des requêtes, des requêtes, des requêtes et aller mettre l'information dans des bases de données. Alors, si on pousse un peu plus loin, l'exemple de modèle associatif, c'est que essentiellement l'idée et le côté génial de la chose, c'est quand je mentionne que chaque information, qu'elle soit anglaise, française, chinoise ou autre, ça nous importe peu, est reliée essentiellement par un vecteur qui établit l'association des cellules de l'information. Alors, l'idée maîtresse du CMAP, ou d'un map, roadmap ou CMAP, d'un diagramme, c'est qu'on prend toutes les informations et on l'envoie dans nos cellules, on l'envoie dans notre système. Alors, on prend les bases de données conventionnelles, SQL, Oracle, IBM DB2, peu importe. Et en mettant ça dans chacune de nos cellules, on se retrouve à créer un schéma dont la collection des différentes sources. Alors, on avait ici, pour le génome, différentes données. Et en passant, vous savez que j'ai aucune expertise dans le génome, pas plus que Kamesh et Dave en ont. Pas plus qu'on en a dans le secteur manufacturier, pas plus qu'on en a dans la défense nationale, pas plus qu'on en avait dans l'IE. J'ai livré nos prototypes, nos proof of concept dans chacune de ces sociétés-là, à partir d'un schéma semblable. Et une fois que vous voyez la machine ici, qui est finalement toutes les lectures, toutes les connexions possibles et impossibles d'association de l'information, on tombe en temps réel pour la défense nationale. Je remercie Alain Fecteau ici de Technopole, qui nous a donné l'opportunité d'aller au sein de la Défense nationale, ici à la base militaire de Valcartier, justement pour faire un autre projet qui a été défait, livré, dans une première étape avec l'enjeu. Notre système, on parle de concept d'index et de clé. La sécurité d'un système, c'est que quand on parle de vecteurs qui relient les cellules, dès qu'on a une association pour bloquer l'accès à la sécurité, l'utilisateur, la sécurité est extrême. Alors, associé libre, algorithme, contrôle d'accès relatif à tout ce qu'on appelle les layers, les couches, les différents niveaux sont faits. Alors, que fait-il pour l'organisation? C'est l'intégration de toutes les données dans les différents entrepôts. Que vous ayez seulement du Oracle, que vous ayez du SQL, que vous ayez des fichiers Excel. On crée un dashboard, on le place de la façon que vous souhaitez pour sécuriser les gens. Donc, on permet une synchronisation dynamique en tenant compte des requêtes évolutives. Actuellement, quels que soient les systèmes qui existent, on ne peut pas prédire. On se retrouve après les faits et on dit, ouais, on a oublié ça, il aurait fallu penser à tel rapport, tel de. Et là, on retourne sur la table de dessin à faire la programmation. Et c'est ainsi que nous, ce qu'on fait avec le système de gestion associative de l'information, on simplifie la gestion des données complexes. En passant, plus c'est complexe, plus on aime ça. Qu'est-ce qu'on va apporter dans l'univers? C'est une avant-première aujourd'hui, et on n'a pas la prétention qu'on va renverser les grands savons immédiatement, mais dans 5 segments de marché actuellement, ou au cours des 18 derniers mois qu'on a fait, et on a livré à seulement des grandes sociétés, parce qu'on voulait faire la preuve de ça, c'est... Voici la limitation versus. Alors, nos bases de données relationnelles actuellement sont délimitées par des champs, tables et grilles. Vous en avez parlé précédemment. Alors que le système, sans champ, chaque élément d'information est stocké au centre de son propre univers. Donc, l'information n'est pas limitée, elle est dans son univers. L'information est stockée différemment dans chaque base de données, les rendant incompatibles. Pensez quand vous avez 400 bases de données, que différents programmeurs ont fait, qui ont nommé de différentes façons les bases, les requêtes, alors que nous, l'information est associée par les relations en interface facile les uns avec les autres. Simplement les vecteurs, simplement dans les cellules. Toutes nos bases de données relationnelles actuellement, l'adaptabilité limitée nécessite le développement de nouveaux programmes. Même si avec quelqu'un de SAP ici, ou de Oracle ou autre, on connaît la réalité que c'est la plus grande
restrictions qui existent dans notre univers de gestion des normes. On a prouvé dans les 18 derniers mois, aux États-Unis, en Europe ou autre, nous sommes arrivés, on a dit, donnez-nous vos données, on va les intégrer, pardon, merci, dans notre système, et après ça, on va faire le mapping, et on va le définir dans votre architecture existante. Parce que les gens avaient besoin d'être sécurisés pour arriver avec un nouveau système. Donc, dès qu'il y a des recherches complexes et des données difficilement accessibles dans le système de deux dimensions, c'est ce qui cause... je ne veux pas nommer le dossier patient du Québec qu'on a englouti autre, parce que le dossier patient en Europe, en France, puis le dossier patient aux États-Unis est une grande problématique. C'est un exemple, lorsqu'on parle de complexe, lorsqu'on parle, l'exemple est facile, de système dans les hôpitaux, de système au niveau du gouvernement, de système au niveau des médecins et tout ça. C'est pour ça qu'on dépasse les budgets, c'est pour ça qu'on prend des années, c'est pour ça qu'on a une grande difficulté et qu'on n'a pas encore réussi présentement. Alors que nous, plus il y a de relations de données et plus c'est complexe, plus l'information devient accessible. En d'autres mots, pour avoir de l'information, tout ce que nous sommes ici dans cette salle, si on voudrait accéder à notre base respective client, on a chacun avec notre cerveau, on dirait, « Ah, moi, je vais aller dans, je vais penser à tel client. Ah non, dans telle région, j'ai vendu tel produit et j'ai eu tel client. » L'autre personne va dire, « Non, moi, je commence par tel produit qui a acheté par tel client et il est localisé à quel endroit. » C'est ça le système de gestion associative. C'est que tous et chacun, on a une façon d'aller chercher l'information dans notre quotidien, dans notre travail, de quelque nature qu'il soit. Et on n'a pas besoin de bâtir une structure et d'avoir des rapports et de se faire imposer que c'est de cette façon. Donc, l'utilisation de la technologie associative supprime toutes les limitations des colonnes, des rangées et du nombre des tables. Solution coût versus économie, c'est une présentation pour l'innovation aujourd'hui, Midi-innovation. Par contre, même sur une présentation technologique, c'est toujours intéressant de parler de coût. Tout le relationnel actuellement, ça prend des mois et des années suivantes avant de répondre aux utilisateurs, aux besoins. Nous, facilité de réalisation sur mesure, d'adaptation et d'évolution pour répondre en temps réel aux constants changements. Notre monde, notre univers, est multidimensionnel. Les dernières années, il va à une vitesse folle. Et comment pourrait-on se limiter à gérer de l'information qui est en constante évolution? Le relationnel, il n'y a pas de flexibilité, c'est des processus coûteux, complexes et qui prend énormément de temps. Et je regarde le monde parce que je ne veux pas prendre le temps là-dessus, mais je pourrais vous énumérer des cas concrets de Régis, des armes à feu qui devaient coûter 100 millions 200. On est dans un 1 milliard 200 millions qu'on a arrêté. Je pourrais vous nommer plein de systèmes en Europe parce que j'y vais à tous les mois, ou presque, et j'entends des histoires d'horreur. Donc, l'idée, c'est ça qui prend le temps. Nous, réduction de plus de 50. Écoutez, oser devant les gens, votre salle, en avant-première, avancer, réduction de plus de 50 % des coûts d'implantation est plus facile de maintenir grâce à une flexibilité. J'aurais pu prendre la responsabilité avec mon temps de réunir de parler de 20 % N'importe où, entre 40 et 60 % moins de temps de développement. Actuellement, la ligne du haut, c'est ce que l'on fait depuis 30 à 40 ans. On va voir le client, on va voir le gouvernement, on va voir le ministère, et toutes les grandes sociétés des trois lettres de ce monde, tout le monde fait ça. Et là, on dit, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre requête, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous voulez gérer votre information. Secteur manufacturier, entreprise, centre de recherche, laboratoire, tout ça. Et là, une fois qu'on s'est entendu, combien tout ça, on s'en va faire des schémas. On va faire du database design, on fait du mapping, table layout, access, des queries, développement, et là, on fait de la programmation, de la programmation, de la programmation. C'est ça notre univers depuis 30 ans. Et entre-temps, oh, ça c'est fréquent, il arrive un nouveau directeur, un nouveau vice-président, ou encore une acquisition d'entreprise avec un nouveau système. Et là, on se retrouve à la toute fin ici, avec un prototype qu'on a payé, on se retrouve avec 43 % des fonctionnalités qu'on était censé avoir. Ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est la réalité de notre monde. Alors, on fait la même chose. Voilà. On va voir c'est quoi la situation, c'est quoi le besoin de cette portion-là. Mais à partir de ce moment-là,
où ça devient et où le nouveau paradigme entre en fonction, où tout change, c'est à partir de ceci. On fait les ententes, hein, on fait l'intégration, merci, des données dans notre système. Et là, on s'assoit avec les gens et on montre le schéma de développement, la data d'intégration et l'optimisation. On se réassoit immédiatement avec le client. On n'attend pas d'être rendu ici 6 mois avant pour dire qu'on a des problèmes, puis ça va prendre d'autres nombres et d'autres codes, là, comme on fait toujours. Immédiatement ici, qu'il y a eu des changements, qu'il y a eu des acquisitions, tout ça. D'où le fameux 40 à 60%, parce que ça, c'est 100%. Et immédiatement ici, on produit un prototype et on s'assoit avec le client et on devient en temps réel. Et c'est ça qu'on va vous montrer dans 2 dossiers. On n'a pas fait, et de toute façon, je ne me permets pas, de faire une démonstration à PowerPoint ou de dire « Ah, c'est théorique ». On fait des choses avec des vraies données, du vrai data, et c'est comme ça qu'on dit. Donc, on se retrouve ici et on démontre l'outil, notre système d'association de gestion d'information. Et on convient avec le client, avec le partenaire, de dire, est-ce que c'est ça que vous voulez avoir? C'est sûr, pour les 2-3 prochaines années, il n'y a personne qui va se débarrasser de l'autre système. Qu'en parallèle ou sur le système, pour sécuriser les gens, on peut rouler avec les systèmes existants. D'ailleurs, il n'y a personne qui, à cause de la legacy des données, des informations, qui vont dire, moi, je me débarrasse de mon SQL ou je ne prends plus tout ça. Je suis très réaliste, très grandé, mais on va le faire de façon progressive. Pour ceux qui sont plus en TI, ce qu'on appelle notre black box, notre système, on peut le mettre à côté des bases existantes, sur le dessus, 3e, 4e niveau. Ça va? Oui. À partir d'ici, ce qu'on fait, toute nouveauté, tout ajout devient simplement synthétique. Alors, c'est ça la différence du système.